De ce que nous faisons habituellement le dimanche. Je vous retrouve, vous en avez vu le titre, je vous retrouve avec une vidéo PR unboxing. Nous allons ensemble ouvrir des cartons, des tonnes de cartons que j'ai reçus au courant des dernières semaines et qui se sont accumulés parce que je vous attendais en fait pour en découvrir le contenu. Je prévoyais, honnêtement, je prévoyais de les ouvrir, de vous les partager comme à l'accoutumée en Insta Story, mais là c'est énormément de choses. Donc d'une part, c'est beaucoup trop de stories et des stories beaucoup trop longues. Et je ne veux pas, il m'est arrivé, ça ne m'arrive plus, je décide que ça ne m'arrivera plus, mais il m'est arrivé de ne pas vous partager du PR que j'ai reçu. Parce que les congés ou l'absence ou l'impossibilité matérielle ou que ceci que voilà, d'accord, je peux être coupable. Donc, pour rendre vraiment justice à toutes ces marques qui me font l'honneur et le bonheur de m'adresser tous ces colis, pour ne pas négliger les produits eux-mêmes, d'accord, et pour prendre le temps, j'ai décidé de consacrer une vidéo à ces unboxings. Il y a des choses que j'ai reçues pour Noël, à Noël. Donc ce n'est pas nécessairement une vidéo que je ferai très régulièrement, mais si vraiment la quantité de PR reçue est gigantesque, je le ferai. C'est une vidéo qui est très courante sur YouTube. Donc je veux dire par là, il n'y a là rien d'extraordinaire, c'est très courant sur YouTube. Moi j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, mais j'en avais envie. Également dans cette vidéo, deux ou trois choses que j'ai achetées moi. Une que je ne vous avais pas montrée parce que je ne l'avais pas reçue, c'est chose faite. Une que j'ai reçue dont vous ne savez rien, qui est d'une très très belle marque, mais que malheureusement je dois renvoyer parce que la taille ne va pas, je suis triste. Et une saga. Une saga. Je vais faire ma mauvaise langue dans cette vidéo, je peux avoir dire une chose. C'est rare, mais là j'en ai gros. D'accord? Donc, les filles et les garçons, je commence. Je pense que c'est une vidéo qui ne va pas nécessairement durer très très longtemps. Ah oui, il y a également un quelque chose de quelqu'un que vous connaissez. Bref, suspense. On papote, on est là pour papoter, etc. Donc, les filles et les garçons, avant de commencer, je voudrais adresser l'éléphant dans la pièce. La semaine dernière, je vous ai partagé ma vidéo favori pour l'année 2019. Je me suis rendu compte après coup qu'il y a des tonnes de choses que j'ai oubliées. Cette palette de blush de chez NARS, comment est-ce que j'ai pu l'oublier? C'est assurément une de mes plus belles découvertes make-up de l'année 2019. Enfin bon bref, il y en avait d'autres, d'accord? Peut-être qu'un jour je ferai un update ou que sais-je, ou qui seront encore là pour les favoris de 2020, je ne sais pas. Mais donc à l'occasion de cette vidéo que je vous attache juste ici, c'était la vidéo de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vue, oh, what you about? Vous êtes très nombreuses à vous être manifestées dans les commentaires privés, dans les Insta, les messages. Certaines avec très peu de tact, je dois le reconnaître, à mon grand dame, à mon plus grand regret. En parlant de ceci, j'ai un bobo, je suis en train de cicatriser d'un bobo. C'est une très bonne chose, n'ayez pas de peine, n'ayez pas mal pour moi, tout de bien, tout de bon, d'accord? C'est un bobo, ça fait partie du fameux dossier capillaire dont je vous parle depuis des semaines et dont je vous parle dans quelques semaines, d'accord? Donc rien de grave, tout de bien, easy, ok? Sit down, ce n'est rien. Donc j'essaye, par égard pour vous, c'est pas que j'essaie de le cacher ni même rien, ce n'est pas quelque chose dont j'ai honte, d'accord? Et j'essaye par égard pour vous, par respect pour vous, pour faire les choses proprement et de la manière la plus saine, de le cacher avec la mèche, avec la chemée, d'accord? Mais que voulez-vous, ma bonne dame? C'est tout le long de la ligne intérieure. Ah donc, j'essaye de prendre mon mal en patience depuis quelques semaines déjà. Ça fait des semaines que j'ai ça. Et c'était dans un iata bien plus grave, d'accord? Donc, j'ai les casquettes, j'ai les feintes et j'ai les choses. Certains d'entre vous l'avaient déjà remarqué toutefois, lors de dans mes stories notamment. C'est rien, j'ai un bobo. Tout va bien. On avance. Donc, je commence. Et alors, je commence les filles et les garçons. Je vous l'ai dit, j'ai été gâtée. Par nombre de marques à l'occasion des fêtes de Noël et là plus récemment les sorties produits qui arrivent, n'est-ce pas? Donc j'y vais tous azimuts et c'est également là pour vous l'occasion de découvrir les nouveautés, les choses. Donc une marque très très chère à mon cœur, Roger et Gallet Paris, les filles et les garçons, avec laquelle j'ai beaucoup collaboré par le passé
Et puis, il s'est passé cet énorme laps de temps au cours duquel je n'ai plus du tout reçu de nouvelles de la part de la marque. Je suis absolument ravie de recevoir ce colis qui est très beau et je l'ai reçu pendant les fêtes. Il était mais juste parfait pendant les fêtes. Je préfère vous dire une chose, je me suis fait, franchement, parce qu'il faut me donner normalement des applaudissements, mettez un pouce là tout de suite pour la patience et la résistance. J'ai résisté, je préfère vous dire une chose. C'est agrafé et tout, j'ai vraiment pas ouvert. Donc, je l'ouvre. Ah, le paquet crénéant! Je vais le garder, bien sûr. Alors, attendez, j'arrive. Oh, c'est un petit coffret. C'est des formats voyage, je présume. Un petit coffret qui contient donc... c'est la senteur Neroli Facessi que j'aime beaucoup. Vous allez me dire, je les aime toutes. Hein. Prenez à vous dire une chose. Thé vert, figue, que le comment, bon bref. Extrait de Cologne, en petit ici. Et le parfum de douche, gel douche hydratant. Et également, je reçois ceci, ben voilà, qui est le thé vert. Le thé vert. Donc, je l'ai défait très rapidement pour vous les montrer. Vous les connaissez déjà. Hein. Donc, les voici. Les petits mignons. Merci infiniment à Roger et Galé. Je poursuis avec, je ne sais pas, ceci. Ah oui, ah là là, vous savez pas les filles, là c'est pareil, après des années, donc dans le passé, très tôt dans l'histoire de The French Way, j'ai eu la chance de collaborer avec Look Fantastic. Et là encore, il s'est passé un gap, mais là qui se compte en années pour le coup, au cours desquels je n'ai plus reçu de nouvelles de la part de Look Fantastic. Donc à l'époque, je recevais la box, je recevais, vous vous souvenez, j'avais reçu un truc pour Pâques avec des œufs et tout, c'était génial. Et voilà, c'est ce que je dis, il y a du turnover en fait dans les équipes, il y a du changement chez les marques. Et donc quand quelqu'un reprend le poste par exemple PR, parce que là je vous raconte un peu les coulisses, ils ne connaissent pas nécessairement les affinités avec tel et tel influenceur. Et en fait très basiquement et très, j'ai envie de le dire avec la plus grande franchise, celle pour laquelle vous me connaissez, avec naïveté et erreur, ils se basent sur les influenceurs, les plus gros en fait, en chiffres, numériquement, d'accord, qui ne sont pas ceux qui déjà rendent le mieux justice aux produits et qui ne sont pas nécessairement ceux avec lesquels la marque a vraiment une belle histoire, une belle affinité. Donc bref, tout ça pour dire que c'est ce qui s'est passé chez Look Fantastic. Il y a eu beaucoup de turnover. La tête est en Angleterre, d'accord, donc à un moment donné je parlais avec les Anglaises, enfin bon bref, c'était quelque chose. Je n'ai plus rien reçu du tout et là j'ai Ornella chez Look Fantastic, Ornella si tu regardes ceci, Ornella en France pour le coup, qui m'est revenue et qui m'a dit, mais Sabrina, je ne comprends pas cette interruption, ok, let's fix it. Et là maintenant les choses reprennent. Donc là je sais qu'il y a un gros colis quelque part dans ces paquets, parce qu'il est question d'une sélection qu'on m'a généreusement permis de faire par moi-même, pour moi-même. Donc je sais, là il y a une grosse boîte de la part de Look Fantastic, mais là c'est également de la part de Look Fantastic, vous voyez. Et il est question de la Beauty Box, donc la boîte mensuelle. Je suis ravie. Celle donc que je ne recevais plus depuis des milliards d'années. Revive, refresh, recycle. Elle est belle, hein, c'est un beau bleu turquoise. Hein. Donc vous savez, excuse me, yes Queen Bee, and yes please. Donc il y a le L hein, à l'intérieur, c'est génial. Le magazine, j'ai l'impression qu'il contient un échantillon, non, il est très lourd. Le magazine donc qui est le récap de tout ce que contient la box, et j'ai l'impression qu'il y a des choses de folie, d'accord. Et la box elle-même, vous connaissez. Moi j'ai beaucoup de chance. Je reçois des box auxquelles je ne suis pas abonnée. Je les reçois parce que je fais ce que je fais ici, d'accord. Super, alors qu'avons-nous? Sébastien, waouh, qui est une marque extraordinaire. Moi mes coiffeurs c'est ce que j'utilise principalement. Sébastien Dark Oil, avec de l'huile de jojoba et de l'huile d'argan. Et j'en ai deux. Est-ce que c'est pas quelque chose? Ah non, pardon, c'est le shampoing et le conditionneur. Live pour le voyage. Super. Jérémy, Mylène, vous les connaissez, vous les connaissez ceux-là ou pas? Bref, ensuite chez Glove. Vous savez, Glove, je vous en parle depuis des années. Pour se démaquiller. Ah là là, j'arrive pas à l'ouvrir, heureusement. Il est là. Il est jamais très loin, mon petit mignon. Le cutter des familles. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti, Glove? Ah, ils se sont mis aux pads. Vous savez, les pads, d'accord. Ah, ceux-là sont très différents de ceux que j'utilise, que je connais, que j'utilise, qui sont plus en matière éponge plutôt que pile ou doudou, mais à voir, pourquoi pas, ouais, pour les yeux notamment, à voir. Également, j'ai chez Lord & Berry,
ce très très beau lip liner. C'est un lip liner ou pas? Oui, lip Just Naked. Il est très beau. Ah non, je retire. Il est magnifique, il est croyant. Donc, le lip liner numéro 3102 Just Naked de Lord & Barry. Il me semble que c'est une marque propre. Non? Et alors, je poursuis avec un Australian Body Care Tea Tree Oil. C'est quelque chose pour les invités. Vous savez que j'en ai un là qui est sur le départ. Ah, génial. Est-ce que c'est un roll-on? Oui. Life! De l'huile d'arbre à thé, qui est l'actif par excellence, ensemble avec l'acide salicylique, mais là qui est l'actif naturel par excellence, pour se débarrasser des invités. D'accord? Formidable. Et donc la marque, c'est Australian Body Care. D'accord, je ne connais pas. Spot Stick, Soothing and Effective. Et enfin, chez Mio. Ah, c'est super, c'est quoi? Crème raffermissante pour le buste. Mio Skincare, vous les connaissez si vous suivez un petit peu mes vidéos, pour le liquid yoga que j'aime infiniment, qui est un indispensable dans ma vie, pour vous dire une chose. Ils ont également des produits pour les mamans, les vergetures, etc. Boob Tube Plus. C'est une crème raffermissante pour le buste, d'accord? Et donc, c'est tout ce que vous... Ah non, pardon! Ah, il était bien caché! Il y avait un dernier produit. E-Cooking Fragrance Free. Qu'est-ce que c'est que ça? Moisture Buff, c'est vegan. C'est un produit qui est un sérum hydratant. Dont je ne sais rien. Fugged Serum Moisture Boost. Made in Denmark. House of Cosmetics. Oh, c'est certifié sans allergène, etc. C'est vegan. Vous connaissez ça ou pas? Les Beauty Stars dans le naturel, là, c'est pour vous ça. Vous connaissez là ou pas? Donc, look fantastique. J'ai reçu plein de box de différentes entités. Il y en a même une. Je leur ai demandé de ne plus me l'adresser parce que je n'allais pas les promouvoir. Je l'ai trouvé qualitativement mauvaise, d'accord? Look Fantastique, c'est vraiment la box dans laquelle on découvre des produits. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est un produit pro, par exemple, dans l'univers capillaire. Sébastien. Bref, j'ai découvert, et pourtant je connais beaucoup de choses, etc. Ben là, c'est un bel exemple. Je découvre des produits intéressants. Certains, beaucoup, sur les années, que j'ai acheté par la suite, d'accord? Donc c'est très intéressant. Merci infiniment à Look Fantastique, merci infiniment à toi, Mordella. Je te fais des bibis. Merci beaucoup. Je poursuis avec ceci. Ceci qui vient de ma Jessica qui est donc chez Vichy. Et qui m'a adressé un cadeau, je pourrais vous dire une chose, les filles. Je ne l'ai pas ouvert, mais il est si mignon, je ne sais pas ce que c'est, mais il est si mignon. Joyeux Noël, Sabrina. Vous parvenez à lire ou pas? C'est trop mignon. Il y a marqué Joyeux Noël, Sabrina, et en bas, il y a marqué Grazie. Prego. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, je le découvre. Je vous jure, les filles, je me suis fait violence. Parce que moi, je ne suis pas du tout celle qui dit oui, ben, je vais attendre. Je suis comme ça. Peut-être si je fais ça ou si j'essaie de... Je suis trop coquine avec ça, je n'aime pas attendre. Ah, je ne suis pas patiente, je préfère vous dire une chose. Donc, j'ai attendu tout ce temps. Ma beauté, ma Jessica, j'espère que tu as passé de très belles fêtes avec ta famille. Je te fais de très très gros bisous. À très vite, ça fait des lustres qu'on ne s'est plus vu. What about, Vichy? Donc, ce très beau cadeau. Ah, Gradier, c'est la marque Cherish with Style. Est-ce que vous connaissez ça, les filles? Vous connaissez, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quelque chose avec des tiroirs mignons. Oh, ce sont des petits bijoux mimi. Un bracelet. Et une carte. Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon, ça, avec des boutons de quelque chose séché, de fleurs séchées. Vous les voyez ou pas? Parce que je vais tout faire tomber. Le packaging est magnifique. Je ne sais pas si je peux garder ce packaging pour faire une petite chose. L'enveloppe est très mignonne. Très mignonne. Ah, je ne peux plus. Chère Sabrina, nous sommes ravis de vous offrir ce bracelet, mon premier diamant. Ah, c'est un diamant, apparently. What you about? Ce réel diamond certificate. Synonyme du lien qui nous unit. Nous sommes ravis de vous offrir ce bracelet, mon premier diamant, synonyme du lien qui nous unit. Belle et douce année 2020. Jessica et Françoise de Vichy et Céravé. Les filles, vous m'avez éclaté. Pour faire un diamant. What you about? Garantie et entretien. Donc, c'est réellement un diamant. C'est un diamant. Vous le voyez ou pas? Attendez, je vais le retirer de son étui. Ah non, mais là, ils m'ont éclaté. Comment? Ils m'ont éclaté. Oh, il est beau, c'est rouge. Il est beau. Est-ce que j'arrive pas à faire les choses? Le voici.
C'est un diamant. Vous savez ce que je vais faire? Je vais le faire monter sur un bracelet chaîne. Parce que j'avoue, les bracelets en tissu, je suis pas trop fan. Ça prend l'eau et après ça... Ouais. Mais pour la pierre, pour le diamant, je vais le... Oui, je pense que j'ai exactement ce qu'il faut. D'ores et déjà, je vous montrerai le résultat. Vous le voyez ou pas? Il est si mignon. Donc, Vichy, Céravé, Jessica et Françoise qui m'adressent dans une grande détente. Un diamant. Merci infiniment. Vous êtes trop mignonne. Mais je retiens beaucoup pour le lien qui nous unit. C'est vrai que j'ai vécu certaines de mes plus belles expériences PR avec Vichy. Avec Vichy. Avec Jessica, avec Vichy, j'oublierai jamais la course là, l'espèce de Fort Boyard du Vichy. Le dîner qui s'en est suivi le soir même dans cet endroit magnifique à Paris, le Dôme que sais-je. Un dîner fameux. J'ai vraiment... moi c'est ce que je vous dis, c'est pas professionnel, d'accord? Mais c'est réel, d'accord? Je nourris vraiment certaines affinités réelles avec certaines personnes dans certaines marques. C'est dingue, je préfère vous dire une chose, c'est le cas définitivement pour Vichy et Céravé avec Françoise et Jessica. Françoise, j'aime beaucoup, je suis sur Instagram, parce qu'elle va, elle habite à Paris, elles habitent toutes les deux à Paris. Elle fait toutes les scènes, elle est sur toutes les pièces de théâtre, elle fait beaucoup de choses, elle a une vie culturelle très riche, voilà. Et moi, par procuration, je regarde un petit peu ce qu'elle fait. D'accord. Donc les filles, merci infiniment pour ce très très beau cadeau. Waouh, ça valait vraiment de faire montre de cette patience insupportable, d'accord? Pendant toutes ces semaines. Merci infiniment. Très très beau cadeau, hein, je reviens pas. Un diamant, d'accord? Donc je poursuis. Ah, et bien j'ai X qui m'envoie un collier d'émeraude apparemment. Non, je rigole. J'ai un gros carton. J'essaie de ne pas vous montrer mon adresse. Donc je l'ai entrouvert, mais je ne l'ai pas réellement ouvert, d'accord? Mais je sais qui est l'expéditeur. Et là, c'est pour mon plus grand bonheur. Là également, c'est une belle marque dont je vous parle. Là, il est question de skincare encore. Dont je vous parle depuis très longtemps. Une marque que moi, j'utilise depuis très longtemps. Pendant un moment, j'ai eu la chance, là encore, de recevoir les colis, les envois PR. Et puis, je n'ai plus rien reçu. Et moi, je sais que je ne devrais pas. Mais ça m'affecte. Je me dis, ah, Mazette, why? Par exemple, Maison Dior, je vous en parlais récemment en stories, je me suis dit, mais why? Why? Très honnêtement, je vous en ai parlé, je vous ai même parlé du calendrier de l'avant. Le fait de ne pas l'avoir reçu, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine, franchement. Bref, ça ne change en rien l'amour indéfectible que j'ai pour la marque d'une part et pour la team, de toutes les manières. Mais pour revenir à ma menton, cette marque-là, je ne recevais plus. Eh bien, je m'en suis inquiétée et finalement, la solution, c'est la raison, c'était tout simplement qu'il y a eu du changement, en fait, dans la structure de la société elle-même, d'accord? Il y a eu des rachats, des choses. Il est question de Filorga. Filorga dont je vous parle systématiquement dans chacune de mes vidéos routines parce que les temples. Et donc là, c'est une carte de la part de Filorga. Et donc c'est ma Sophia de tout cœur, merci infiniment. Hello Sabrina, je te laisse découvrir notre Essential Kit. Une box cocooning pour prendre soin de toi avant les fêtes. À très vite Sophia. Et vous voyez, parce que j'ai pas ouvert, parce que c'était les congés. Donc ça c'est l'emballage parce que je fais pas de très bon travail, d'accord? Donc My Essential Kit. Oh, c'est prenant. Le packaging chez Filorga. Évidemment que le nœud, le cœur de l'action, ce sont les actifs, les formules, les produits eux-mêmes, d'accord? Mais les packagings chez Filorga, c'est la folie. Ça va vous dire une chose. Vous vous souvenez hein, du fameux paquet créé en collaboration avec le designer Oraito, le truc qui contenait, je pense, un slip and lift. Je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, mais c'était la magie. Je les ai évidemment utilisés. Mais l'emballage, je l'ai toujours. Hein. Je préfère vous dire une chose, il est visible. Hein. Noir, laqué comme ça, bagasse. Et donc voici le kit que j'ai reçu. La boîte est magnifique, je vais évidemment la garder. Et qui contient... Ah, excuse me! Mug! Vous connaissez mon amour pour les mugs! Vous connaissez ma récente saga au niveau de la vaisselle. Je vous renvoie à mes Insta stories. Ma story permanente home. Je préfère vous dire une chose, un chapitre. Let it slow, Filorga. D'accord, c'est pour faire la diatente. Oh, mais je reviens pas. J'ai une bougie.
J'ai une bougie fil organ. Ah, je reviens pas. Je reviens pas. Qu'est-ce que cet arôme? C'est ni du cacao, ni de la vanille. Je suis pas absolument sûre. Je dirais presque une fève tonka. Quoi? Je reviens pas. Elle est belle. Noire, mate. Avec le logo Filorga, vous le voyez ou pas? Crois, merde. What else? Ah, on n'a pas le temps chez Filorga. Il y a le socle. Ah non, c'est le couvercle. Le couvercle ou le socle? Le socle, les deux. Oh, crois, merde. Time flash. C'est génial ça, les Filorga, les pépites. Pour la bougie, et il y a autre chose. Non, il y a plein de choses. Hello beauty. Ah, oh, hello beauty. Beauty, le thé. Comment? Du thé de chez Cosmity. Ah moi j'adore, vous savez que je suis nana de la vraie vie, je préfère vous dire une chose. Camomille et boost, mélange aromatisé de maté, thé vert et épices. Bon bah, ça c'est pour moi. Life, pour la diatante. C'est ça, c'est le kit des essentiels pour le bien-être, ce cocooner. Oh, what else, what else, what else. J'ai ce gros pochon là, le gros pochon. Tout est estampillé au logo de chez Filorga. Waouh! D'accord. Là, au niveau de la com, on est au max. Donc, il y a des tonnes de choses dans cette boîte. Dans ce sachet. Ah là là, la base Time Flash. Je vous en ai parlé lorsqu'elle est arrivée, ensemble avec les produits teintés. Mais c'est une très très belle base. Très très belle base. Express Smoothing Active Primer. Live. Je suis tellement reconnaissante. Tellement reconnaissante. Et ça me permet, c'est ce que je vous disais, c'est aussi l'intérêt de ces unboxings. Celles qui n'auraient pas vu passer le précédent unboxing de ces produits, ben là vous avez toute l'attitude pour en profiter tranquillement, installé le dimanche devant la vidéo de Bibi. D'accord? Parce que les stories, c'est un autre format, il faut aller vite. Je peux pas tout vous montrer, d'accord? Et puis ça me pousserait à faire des stories quasiment tous les soirs sur ça. Or, moi j'ai envie de vous partager, ok, quelques unboxings, d'accord? Mais des recettes, des points bien-être, vous savez que Forme et Santé revient. Des petits looks, les petits looks. Des tenues que j'essaye devant mon miroir quand je reçois quelque chose, plutôt que d'attendre la fin du mois où le produit n'est plus disponible, d'accord? Etc. Donc, je pense vraiment que de temps en temps, je vais me servir de ce vecteur-là, de la chaîne en fait, du YouTube, d'accord? Ceci, vous l'avez vu à l'instant, et alors là, qu'est-ce qu'on a? Optimize Patch. Non! Ce sont les patchs, je ne les ai jamais essayés. Je ne les connais pas. Oh, ah, je suis pas bien, les patchs Filorga. Excuse me, avec la spatule, parce que tout colle. Ah, parce que j'ai tout. Les patchs, je ne les ai jamais essayés jusqu'alors. Jamais. Donc vous savez qu'Optimize fut un de mes produits pour le contour de l'œil. Également, celui toujours chez Filorga avec l'embout métallique et rafraîchissant là. Mais je les connais, je vous les ai recommandés, je les aime infiniment, je n'en ai plus, d'accord. Mais les patchs, je ne les ai jamais essayés. Et vous savez combien? Moi, je suis tributaire de ces produits-là. Vous savez qu'ils sont dans mon réfrigérateur. Vous savez que je les pose les matins de crise. Je ne sais pas si vous parvenez à le voir. Là, je suis par exemple dans une période de crise. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez combien je suis creusée. Là, je suis creusée, très sérieusement creusée. Donc, je vais les mettre au réfrigérateur. Ils ont l'air extraordinaires. Ils ont l'air vraiment extraordinaires. Je les vois épais, plutôt... ça m'a l'air formidable. Peut-être que je ferai une capture, peut-être si je les utilise, quand je les utilise. Optimize Patch. Patch défatigant express yeux cube. Cerne, poche et ride. C'est très précisément ce dont il est question. Pas la même chose. Parce que cette beauté n'est pas naturelle. Dit-elle dans une modestie. Oh, il y a des tonnes de choses. Oh, c'est les... Ah, le NCEF Reverse. Que moi j'ai la chance de posséder dans la full size. Qui est une tuerie, hein. Si vous avez plus de 21 ans, si vous êtes plus dans ma catégorie d'âge, ça c'est de la magie dans un pot. Je vous l'ai dit, vous expliquant qu'en réalité, le prix des produits Filorga est parfaitement justifié. D'une part parce que la R&D qui se trouve derrière les produits, mais d'autre part, et surtout, j'ai envie de dire, pour ce qui nous intéresse immédiatement, pour l'efficacité extraordinaire. Et les produits Filorga, j'ai envie de dire, parce que moi vous savez que je suis folle de skincare, les résultats arrive à condition de régularité, de sérieux et d'application dans des conditions optimales, d'accord. Les résultats sont très rapidement visibles. Je préfère vous dire une chose.
Après, on va dire une chose. Donc, tous les médecins esthétiques, chirurgiens esthétiques, etc., travaillent avec Filorgar. Après, on va dire une chose. Life, donc le NCEF Reverse. Un petit pot. Et ça, c'est génial pour le voyage. Vous le savez, quand j'ozone, je les ai. C'est génial. La solution micellaire anti-âge, que je ne connais pas non plus. Nettoyant, démaquillant, physiologique. Dans un petit format mignon des choses. Donc, c'est vraiment le kit essentiel. Oxygène Glow, que j'ai eu la chance de recevoir en full size, que j'aime infiniment. Infiniment. Et là, c'est le soin lissant pour les yeux. Super lissant, éclat. Waouh! D'accord? Formidable. Et ensuite, bon, là, c'est pas en format voyage, je présume que c'est le format 15 ml. Life. Et ensuite, est-ce qu'il y a encore des choses dans mon pochon magique? Oh, il y a encore des choses. Mais non, non. Le mésomasque, pareil, dont je vous ai parlé, que j'aime infiniment. Masque lissant illuminateur. Je vous renvoie vraiment à mes vidéos routines. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur les produits Filorga. Parce que la gamme est très, très riche. Il y en a vraiment, il y a vraiment des produits pour tous les besoins, tous les types de peau. Vraiment, vraiment, d'accord. Mais particulièrement pour, je le disais, particulièrement pour les velléités anti-âge. Fermeté, raffermissement, l'ovale. Vous savez, je vous renvoie vraiment à mes outils. Et là, qu'est-ce que j'ai encore? C'est un masque tissu. Oh, le lift masque. Mais c'est pareil, je ne l'ai jamais essayé. Je suis trop contente. Lift masque, masque super liftant. Formule tenseur au plasma végétal. Oh, mais je vais vous faire un post. Je préfère vous dire une chose, je vais vous faire un post avec ça. Vous savez que je suis une déglingosse. Hein. Moi, allez voir dans mes stories, je vous fais des posts avec le masque, bien sûr. Fermeté, firmness, bien sûr. 15 minutes. Bon, moi, vous savez que j'ai senti... Un masque biocellulose. D'accord. Pour tous les types de peau. Et je pense que c'est le dernier produit que contenait ce pochon. C'était le pochon du bonheur. Ah, j'ai de la doc. J'ai de la doc. My chill playlist. Est-ce que j'ai une playlist? Scanne le QR code pour découvrir la playlist des fêtes. Mais Filorga! Yes, please! Ils nous ont éclaté. My essential kit. C'était le détail de tout ce que ça contenait. Ma to-do list avant les fêtes. Prendre un bain moussant, dormir 10 heures d'affilée. Wow. Le rêve. Me faire un masque visage, regarder tous les films de Noël disponibles à la demande. Manger le gâteau au chocolat de la boulangerie sans culpabiliser. Me faire une manicure. Déconnecter à 100% ou du moins une heure. Penser à moi en lettres capitales. C'était la to-do list des fêtes. Ah, oh, je regrette de ne pas l'avoir ouvert pendant les fêtes. Et ça, c'est le petit récap de tout ce que contenait ce kit essentiel. Waouh, le kit Slow. Ça, ce sont des autocollants. Sophia, de tout cœur, merci infiniment. Là, c'est reprendre notre belle relation. Là où elle s'est arrêtée, mais la reprendre avec vraiment brio. Merci de tout cœur. Oh, je suis très reconnaissante. Et en plus, là, parce que je préfère vous dire une chose, je ne connais pas les patchs et je ne connais pas le masque. Donc, probablement que je vous en reparlerai. Mais à tout le moins, je vous les montrerai en action. Je préfère vous dire une chose. Donc, je poursuis. Merci encore une fois. Merci infiniment, Sophia, chez Filorga. Merci, merci. Je me permets de t'adresser publiquement une bisette. Merci beaucoup. Donc, je poursuis. Je poursuis, c'est le bazar. Je fais un petit peu de ménage. Toujours dans le skincare, vous savez que j'ai la chance de recevoir les produits de chez Boccia. Et donc j'ai reçu ce produit qui est un masque. Masque peel-off cryomarine. Oh, d'accord, sirène de glace et de feu. Faites le plongeon. D'accord? En quoi consiste le mélange? Inspiré de la cryothérapie. Ah, c'est hyper frais. Le mélange cryoséa de Boccia. Algue rouge, menthol. Ah ouais, s'il y a du menthol. Extrait de varech, hyaluronate de sodium et eau de mer. Procure une sensation de fraîcheur glaciale qui stimule la circulation, retend, repulpe et revigore la peau. D'accord. Ça, c'est pareil. Tu vas voir que je vais le garder au réfrigérateur. D'accord, mon petit frigo de beauté, là, vous l'avez vu. Et que je vais le dégainer quand je serai vraiment sur un... Waouh! Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, ça m'arrive. Après, on va dire une chose. Puffy et pas bien, d'accord. Voici le masque. Donc, je ne le connais pas, je ne connaissais pas même son existence. Boccia est arrivé, me semble-t-il, massivement chez Sephora France. Hein. Donc, attrapable, je présume, j'espère, avec le discount. Je vous dirai ce qu'il en est. Là, parce que je ne peux pas rester à la curiosité, puis je sais que je vais l'utiliser très vite, je vais faire un petit swatch. Est-ce qu'il est noir? Ouais. Ouh, Julien, vous le voyez ou pas? On dirait de l'alu, là, comme ça. Oh,
Ah ouais, non, il y a du menthol. Ah, il y a du menthol. Me like it. D'accord. Donc c'est un masque peel-off. D'accord? Donc on le laisse sécher, puis on le décolle littéralement, d'accord? D'accord. Waouh. Donc je vous en reparle très très bientôt. Merci infiniment, Boccia, pour ce joli cadeau. Donc je suis absolument ravie. J'ai hâte de le tester, franchement. Ah voilà, en exclusivité chez Sephora à partir de janvier. Donc voici pour cette nouveauté de chez Boccia. Je poursuis et alors je vais poursuivre les filles avec cette énorme boîte qui se trouve devant moi. Je ne sais pas ce que c'est, aucune idée. La forme m'intrigue pas mal, je vous avouerai. Donc j'ouvre. Vous imaginez le temps que j'ai patienté? Comment? Mais comment? 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 Je reçois une bouteille de champagne. Qui est-ce qui m'adresse ça? Louis Roederer. Pardon? Vous voyez ou pas? Oh là là, mais comment? Qui est-ce qui m'adresse ça? France Brut Premier Coffret de Luxe. Louis Roederer Champagne. Maison fondée en 1776. Mais qui est-ce qui m'adresse une bouteille de champagne? Les filles, je reviens pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère qu'il y a une carte à l'intérieur. Qui est-ce qui m'envoie ça? Qui est-ce qui m'envoie une bouteille de champagne? Ah, Dieu bénisse, il y a une carte. Hein? C'est la team L'Oréal. C'est L'Oréal Luxe qui m'adresse une bouteille de champagne. Je reviens pas. Oh! Waouh! Non, mais là, ça va pas du tout. C'est magnifique. Vous le voyez ou pas? 2020. J'espère que vous voyez ou pas. 2020, L'Oréal Luxe. Et à l'arrière, une très longue liste de personnes. Parmi lesquelles ma Capucine, ma Clotilde, ma Claire, ma Clara, mon Mathias. Oh, qui d'autre? Je ne reconnais pas tout le monde. Bref, tous ces héros-là de la maison L'Oréal Luxe vous souhaitent une belle et heureuse année 2020. Et en bas, vous avez nombre des marques qui appartiennent donc aux marques Luxe de L'Oréal. Atelier Colonne Biotherme. Kiehl's, IT Cosmetics, Ralph Lauren, Proenza Couleur, Yves Saint Laurent Beauté, Valentino Lancôme, Giorgio Armani, Guy Laroche, Maison Margiela Paris, Paloma Picasso, comment, Victor and Rolf, je l'ai déjà dit, Diesel, Clarisoni, Cacharel. Mais comment? Waouh! Merci. Magnifique. Donc, c'est incroyable. Je reviens pas. C'est magnifique. Je suis très étonnée ce cadeau. Mais l'emballage déjà était magique. Waouh! D'accord. Vous voyez ou pas? Je suis en état de choc. Ça va faire un très bel objet de déco. Donc voici l'emballage. D'accord. Et voici. Le champagne! Waouh! Je reviens pas! D'accord. C'est une énorme bouteille, est-ce que c'est normal? Ah, c'est énorme! Hein. 1,5 litre. Donc, comment c'est quoi? Le Jéroboam? Comment ça s'appelle? Un abécon, je sais plus quoi! Waouh! D'accord? Je reviens pas! Waouh! Louis Roederer Champagne. Brut premier à Reims, France. Ben là, c'est extraordinaire. 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 Merci infiniment à toutes mes copines, tous mes copains chez toutes ces entités-là du groupe L'Oréal. Sandrine, est-ce qu'il n'y avait pas Sandrine sur la carte? Sandrine, Laetitia, vous êtes où? Oui, Laetitia, Sandrine. Ah, mes mignonnes. De tout cœur, merci. Je suis absolument ravie. Donc, vous le savez, en ce moment se tient le joli petit chemin de sagesse, d'efficacité et de générosité et de beauté par-dessus tout
du Beauty 20 Crew, pour toutes celles et ceux qui, pour des raisons que je ne comprends pas, ne me suivent pas en Instastory, ne me suivent pas sur Instagram, vous loupez des trésors. Que l'on doit justement à ces sublimes marques de L'Oréal Luxe. Donc je suis absolument ravie. Merci de tout cœur. Je reviens pas. Xavier, j'ai un cadeau pour toi à la maison. Donc, je poursuis. Merci de tout cœur, je poursuis. Je poursuis avec ici. Ah oui, voilà. Bon, ça parce que j'ai ouvert, d'accord, mais j'ai entrouvert. Je sais qui est l'expéditeur, je sais qui est la marque, mais je n'ai pas regardé dans le détail. Donc, je dis un immense merci à Morgane chez Nice Work qui m'adresse ce magnifique coffret de pépites Alpha H. Alpha H, dont vous le savez, une utilisatrice depuis très longtemps. En tout premier lieu, par-dessus tout et pour toujours et à tout jamais, le Liquid Gold d'Alpha H, d'accord? Donc, je pense qu'il est, je pense qu'il va être dans ce carton. J'espère qu'il va être dans ce carton. Oh, attendez. Oh, Liquid Gold, ben, en fait, c'est la gamme. Parce que vous êtes nombreux, ça me dit, oui, mais Sabrina, dans le reste de la gamme, parce qu'ils sont disponibles désormais chez Sephora France. Sabrina, tu nous parles beaucoup du Liquid Gold, mais qu'en est-il du reste de la gamme? J'ai utilisé très peu de produits du reste de la gamme que j'ai reçu en échantillon à l'époque où j'achetais les produits Alpha H de chez Cult, d'accord? J'avais reçu des échantillons, etc. Mais je ne peux pas dire que je connaisse vraiment la gamme. Ah bah alors, je vous prie de croire que... Donc, dans un premier temps, ceci est un cleanser. Cleanser hydratant à l'aloe vera. Je préfère vous dire une chose. Ah, ce sont les full size. Donc, le cleanser Alpha H. Ici, qu'est-ce que j'ai? Le masque Liquid Gold Ultimate Perfecting Mask à l'acide férulique et acide lactique. Oh, excuse me. Vous le connaissez ou pas? Vous connaissez, vous m'avez pas dit. Comment? Ah, c'est beau, hein? Les packagings sont crénants. Oui, parce que le packaging blanc est doré. Vous êtes nombreuses... Attendez, j'arrive. Je reviens. Je suis revenue. Vous êtes nombreuses à me dire, Sabrina, tu nous parles du Liquid Gold, mais le tien, il est vert. Est-ce que c'est bien de ce produit que tu parles? Et vous me montrez le même, mais dans le beau packaging blanc et doré, d'accord? Ça, ce sont les backups, parce que vous savez, pour celles qui ne le savent pas, je suis Bibi Backup. Ah, mais moi, dès que j'ai un discount, un produit temple que j'utilise et que j'espère utiliser toute ma vie, je n'ai pas peur d'en acheter 5 ou d'en acheter 10, d'accord? Ça dépend. Ça dépend, d'accord? Mes placards. Moi, je peux fournir un village pour la même chose. Donc, j'ai encore quelques backups. Je pense qu'il m'en reste encore un ou deux en plus de celui-ci qui est en cours d'utilisation. Vous le voyez? J'espère que vous le voyez. Donc, ça, c'est l'ancien packaging. Le nouveau, c'est le blanc et doré, d'accord? C'est le même produit, je vous rassure. Parce qu'on m'avait dit les abonnages, je suis pas bien. Ici, qu'est-ce que j'ai? Oh, Daily Essential Moisturizer SPF 50+, l'hydratant de jour, protection solaire. Ouh, yes, please. D'accord? Daily Essential Moisturizer. SPF 50+. Waouh. D'accord? Ici, qu'est-ce que j'ai? Je fais tout tomber. Liquid Gold Firming Eye Cream. Donc, j'ai toute la routine. Gratitude et reconnaissance. Je préfère vous dire une chose. Je suis reconnaissante que je jette les cartons. Ah, il y a l'embout métallique. Je suis pas bien. J'ai crié pour l'embout métallique. Moi, vous savez que j'aime un embout métallique sur une crème pour le contour de l'œil. Prêt à vous dire une chose. Prêt à vous dire une chose. Donc, j'ai un de mes embouts de ma brosse nettoyante de chez Philips. Un des embouts est un embout métallique justement pour travailler la zone du contour de l'œil. Mais c'est beaucoup plus rapide, plus pratique, notamment en déplacement, quand l'embout métallique est compris dans le packaging du produit lui-même. D'accord? Oh, je reviens pas! Ah, écoute, je vais faire un break. J'arrive. Parce que tu vois, là, je suis maquillée, etc. Mais même là, ça fait du bien, ma parole. Donc, on avance, d'accord? Mais, waouh! Donc, la crème pour les yeux, le soin contour de l'œil raffermissant. Waouh. Waouh. Merci infiniment. Et j'ai un dernier produit qui est vitamine B. Oui, Copper Tripeptide. Waouh. D'accord. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Vitamine B, de la vitamine B. D'accord. Donc, Wiz Copper Tripeptide, donc quiconque a utilisé les caïsques, les pépites de chez Niode connaissent.
les propriétés du cuivre, du copper. With copper tripeptide, concentrated skin care. Waouh, d'accord. Potent anti-aging, vitamine sérum fortified with niacinamide. Voilà, là, mais c'est dit, d'accord. And copper to take on prevent premature aging. D'accord. Donc ça, ça va être parfait, ça. Merci infiniment, Morgan. Merci infiniment à Alpha H. Je suis absolument ravie. Bon, moi, c'est déjà, je me disais... Ah, je suis en train de faire des bêtises avec mon masque. Moi, je suis déjà en amour, hein, avec le Liquid Gold. Ben là, j'ai toute la gamme. Je suis absolument ravie. Je m'engage évidemment à vous en faire une revue. Grandes sont les chances que l'on retrouve une de ces, une voire plusieurs de ces pépites dans mes prochaines vidéos routines. Je pourrais vous dire une chose. With love, ex Alpha H. Waouh. Merci de tout cœur. Je suis ravie. Donc, je poursuis. Ah, je suis gâtée. Je suis gâtée et reconnaissante. D'accord. Moi, je ne me blase pas de tout ça. Je ne me blase pas. Je pense que je ne me blaserai jamais. Je suis vraiment reconnaissante. Je me sens chanceuse. Je sais, là encore, ça contribue de la visibilité des marques. C'est un outil de communication. D'accord. Mais je suis ravie de recevoir les produits parce que j'aime les produits. Eux, les produits, vraiment. Cette chance de pouvoir tester des tonnes de choses. Je ne pourrais pas tout acheter. D'accord. Donc, je suis absolument ravie. Et donc, je poursuis. Je poursuis avec encore un énorme carton de la part de Cult Beauty. Si vous suivez mes stories, vous savez que je vous ai ouvert quelques colis Cult juste avant les fêtes, juste avant Noël. Il était question de Patrick Ta, etc. J'en ai reçu un autre, je vous l'avais signalé à ce moment-là, mais je n'ai pas tout ouvert d'un coup, d'accord. Donc voici le second carton. Ouh, have a cult Christmas. Oh, super. Ah là 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 là. Ah là là. Les filles, c'est un carton 100% Hourglass. Hourglass. Oh, je suis pas bien. Hourglass, dont je vous parle moi depuis des années, hein, si vous suivez un petit peu mes vidéos, les pépites que j'attrapais aux États-Unis, etc. Je commence tout de suite avec une palette Ambient. Si vous ne connaissez pas les Ambient Powder et les Ambient Blushes, courez. Hybride. Aucun équivalent dans l'industrie, hybride, hybride. Après, vous dire autre chose. Je vous en parle pas beaucoup d'Hourglass, mais j'utilise certains de leurs temples. Qu'est-ce que j'ai tout fait tomber les choses? Oui, attendez, j'arrive. Pourquoi ça sent bon comme ça? Ils ont mis un parfum ou pas? J'ai l'impression que j'ai une mèche folle à l'arrière. Ouais, pourquoi pas. Voici la palette. C'est marrant, l'arrière est en plexi comme ça, Hourglass. Oh, wow! Comment est-ce qu'elle s'appelle? Ambient Lighting Edit Ghost. Ah ben il y a Dim Light, Diffused Light, donc ils sont dans les temples à avoir absolument. Un bronzer, un blush strobe, un autre blush et un highlighter. Vous voyez ou pas? Franchement magnifique. Hein. Vous voyez ou pas? Donc la texture, il est impossible de se tromper avec ces... c'est un beau packaging avec le miroir, etc. Il est impossible de se tromper avec eux. Il est impossible d'en mettre trop, même le bronzer. Les bronzers sont magiques. Moi, je les ai en full size. Je vous en ai déjà parlé. Ce sont des stars. Hourglass, c'est une marque qui est un petit peu trop méconnue en France. Mon grand regret, parce qu'ils font des choses. Les huiles pour les lèvres. Ils ont des choses de folie. Et on n'en parle pas suffisamment, je trouve. D'accord. Donc, la palette Ambient Lighting Edit Ghost. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Excuse me! Ah, j'aurais dû les ouvrir pour en profiter pendant les fêtes. J'aurais été au max. Ce sont des ombres à paupières pailletées en peau. Scattered light. Excuse me! Comment? Ah, oh, j'aurais dû l'ouvrir plus tôt. J'aurais fait des pitchoulouks. Donc, là, c'est magnifique. J'essaie de les défaire de leur emballage parce que c'est bien protégé. Les voici. Donc je vais les ouvrir parce que pourquoi on apprécie les teintes ensemble. Là c'est grave là. C'est grave et magnifique. Waouh. Donc celui-ci qui est Molten, qui est assorti à ma tenue aujourd'hui. Le petit look. Molten, bien sûr.
Ensuite, celui-ci qui est foil. Waouh, ça va donner des... Et à chaque fois, il y a un petit opercule comme ça de protection. Waouh, d'accord. Voici foil. Waouh, craignant. Et le troisième et dernier qui est donc ray. Ray, R-A-Y. Oh, qui est beau! Ah, la texture. D'accord. Oh, c'est ray, vous le voyez ou pas? Je vous fais le swatch. Vous le voyez ici ou pas? Vous arrivez à le voir ou pas? Une beauté. Une beauté. Moi, j'ai pas peur de mettre ça sur les lèvres. On va vous dire une chose, je suis une dégueulasse boss. Freedom du maquillage. Ah, moi, je le mets sur les lèvres, bien sûr. Si c'est ophtalmologiquement testé et approuvé, je peux le mettre sur mes lèvres. Pour faire le petit assorti, un rappel de l'œil. Vous avez compris ou pas? Ben oui. Vous le faites aussi, avouez, je sais. Moi je dis, il n'y a plus de saison, il n'y a pas de règle. Un rouge à lèvres, un blush, oui, pourquoi pas, why not? Simplement, je fais attention de ne pas mettre n'importe quoi sur mes yeux, d'accord? Mais sinon, c'est la liberté, bien sûr. D'accord, donc les ombres à paupières en peau chez Hourglass, sublime. Et donc, je poursuis. Et qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est super! Extreme Lash Mascara. Il est fameux, il est très réputé ce mascara chez Hourglass. Chez Hourglass, il y a certains temples. Le Vanish Foundation, qui est une tuerie totale. Je ne vous en parle pas beaucoup parce que ça fait longtemps que je n'en ai plus en fait. Parce qu'il est tellement crémeux et il n'y en a pas beaucoup, faut l'avouer, d'accord? Dans le produit, je l'ai vite terminé, je n'ai même pas eu le temps de vous en parler, honnêtement. Hein. Mais il est fameux, le Veil Primer qui est un des rares primers que j'adore. Rares sont les primers que j'aime déjà tout court, mais celui-là je l'adore, d'accord. Il y a des temples, d'accord, et bien lui-là, le mascara en fait partie. Voilà, le packaging reconnaissable de chez Hourglass qui est magnifique. Et donc c'est le mascara, Extreme Lash Mascara, et marqué Caution, attention, attention. Ouh, ouais, c'est la première fois que je le possède. Je suis ravie. J'adore. Vous aussi, vous sentez le mascara quand il est neuf ou pas? J'aime. Et puis je sais, à partir de l'odeur, j'ai l'impression de me dire, de savoir à peu près s'il va sécher vite ou pas. Ça vous le fait ou pas? Je suis sûre que oui, là aussi. Il est au top. Hein. La brosse. Et moi, j'aime un poil. Hein. Alors ça, c'est, tu sais, ça va être les poils qui vont aller. Déjà, il est conique. Vous voyez qu'il est conique? Il est fin au début, puis il va en largeur sur la terminaison de la brosse. Ça va m'attraper tous les... C'est pour ne pas laisser un seul cil sur le bord de la route, d'accord? On les attrape tous. On les embarque tous. Waouh. Donc, je suis ravie. Merci infiniment, Cult Beauty, you guys. Thank you so much. Forever grateful for you guys. Cult, franchement, je les aime infiniment. Ils sont formidables. Vous vous rendez compte? Ils sont en Angleterre, je suis française. Ils m'adressent des tonnes de choses. Augustinus Bader, c'est eux. Patrick Ta, c'est eux. Ils m'envoient des... Charlotte Tilbury à l'époque, bien avant que la marque n'arrive ici. Ils sont extraordinaires et ils ne m'oublient pas depuis tout ce temps. Ils m'avaient convié aux 10 ans, leurs 10 ans à eux. Ils m'ont envoyé le billet d'avion, ils m'ont pris l'hôtel, c'était la folie. Cult Beauty. Je pense qu'aucune entité ici en France n'a fait pour moi ce que Cult a fait pour moi. C'est dingue. Et ils sont anglais. Waouh. Je préfère vous dire une chose. Vous comprenez quand je vous dis que j'ai un affect, il y a de l'affect qui est entre en ligne de compte. J'ai failli jeter mascara, je préfère vous dire une chose. Parce que je suis partie dans les motifs. Donc je poursuis. Je fais un peu de rangement pour pas... C'est ça le risque, pour pas jeter les pépites. Je poursuis. Ah là là, le cutter. Donc, je poursuis avec un carton qui est là juste à côté de moi, qui est rempli de choses. D'accord. Et qui contient donc, je vais vous avouer un truc, ces trucs-là, là, je les déteste. Ah, Jigger ! Je crie. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, c'est un primo en moi. C'est la toute première fois que j'ai la chance de recevoir un produit, des produits en espèce. De cette marque que j'aime infiniment, c'est une marque que j'adore, on est dans la sphère capillaire. C'est une marque américaine qui cartonne, les salons existent, c'est la folie. Certains des produits de la gamme sont distribués chez nous en France. Et il y en a un que j'aime par-dessus tout, donc je vais le chercher
Je vous le montre et ensuite je vais vous montrer ce qu'ils m'ont adressé. Mais ce que j'ai commencé à vous raconter, là je parlais à l'instant des Anglais, ben là ce sont les Américains et c'est la marque depuis les États-Unis qui m'a dit on aimerait beaucoup vous envoyer notre produit, nos produits, est-ce que vous pouvez nous communiquer vos coordonnées, etc. Les USA. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ils connaissent mon existence, je présume qu'ils ne comprennent pas ce que je dis quand je parle, mais elle me dit « We love your energy, nanana », ils m'envoient des choses. Je reviens pas. Donc attendez, je suis au max. Je vais chercher celui que j'adore, il vous le faut, prêt à vous dire une chose. J'arrive, attendez, ne quittez pas. Me revoilà donc, le produit que j'aime infiniment, c'est lui. Chez IGK, parce qu'il est donc question de IGK. Beach Club Volumizing Texture Spray. Et les filles, c'est la vie. Donc, vous savez que moi, j'ai un cheveu très fin, pas plat à proprement parler, mais qui manque définitivement de volume et de corps, d'accord? Ce produit-là, c'est la vie. Je soulève, je pchit, je pose, je brumche. L'odeur est dingue, donc c'est vraiment Beach Club, mais rien d'écœurant, monoïde. Non, c'est Beach Expensive, Saint-Tropez de corps. Bref. Mais il est extrêmement efficace. Ce produit, moi je me le procure, il existe sous différents formats. Ça, c'est mon format Traveler, d'accord. Spray volumisant et texturisant. C'est la vie, c'est disponible chez Sephora France. Et bien, regardez ce qu'il m'adresse. Le petit coffret des familles. Donc, volume, hydratation and dry shampoo. Volume, hydratation et shampoing sec. D'accord, All Stars, parce qu'on n'a plus le temps de plaisanter. On a rejoint la ligue, d'accord, All Stars. D'accord. Ah. Les grands esprits. Je suis contente. Ah, je suis contente, j'ai fait tomber les produits ou pas. Également le First Class Charcoal Detox Dry Shampoo. D'accord, shampoing sec, détoxifiant au charbon. Excuse me. Et enfin le troisième produit qui est antifreeze leave-in conditioner que je ne connais pas, donc ces deux là je ne les connais pas. Lui j'ai la chance de le connaître d'ores et déjà et de l'adorer, donc je suis absolument ravie, je suis ravie, j'espère de tout cœur qu'ils sont disponibles en France, j'espère, j'ai envie de dire que oui, probablement chez Sephora France, je croise les doigts. Je vous mets de toutes les manières le lien de tout ce que je vais pouvoir trouver. Peut-être pas nécessairement la bouteille de Roderer. Mais tout le reste en barre d'infos sous ma vidéo. Les filles, c'est dingue. Je suis ravie. Donc, IGK, thank you so much from France. You guys, you rock. Franchement, les States, bref. Ils sont au top, ils sont au max. Ils ne me discriminent pas pour mon nombre d'abonnés. Donc, je poursuis. Avec quoi ? Ça, c'est un colis un peu bizarre. Vous avez vu ou pas l'emballage? Je sais pas ce que c'est. Il n'est pas exclu que ce soit quelque chose que j'ai commandé, mais dont j'ignore le contenu parce que l'étiquette qui est sous mes yeux là m'indique le nom de l'expéditeur, mais je ne le reconnais pas, je ne l'identifie pas, d'accord? Ah donc il y a un grand suspense. Mystère et boule de gomme. Ah non, non. Pour l'instant, je vous le partage pas. C'est pas sympa. Je vous le partage bientôt. Mais c'est quelque chose dont je dois faire un usage. C'est quelque chose qui relève de la sphère technique. Donc je dois d'abord l'utiliser avant de vous en parler. Peut-être de vous le recommander. C'est quelque chose que j'ai acheté. Je ne le reçois pas de la part de la marque. J'aurais aimé. Ah, je suis très excitée. Très excitée. Donc voici pour ceci. On en reparlera plus tard. Je poursuis. Alors je poursuis avec encore du skincare et encore une marque du UK et qui me gâte depuis déjà très très longtemps. Il est question de Pixie. Ah mes amours chez Pixie, ils sont tellement gentils, ils sont tellement généreux. J'ai l'impression que je reçois vraiment tout ce qui sort chez Pixie. Dans le make-up et dans le skincare. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est dingue. Donc, je suis absolument ravie. Wow, Pixie, 20 years of glow. La dernière fois que Pixie m'a adressé un colis, il était question des produits de make-up, les palettes, etc. Créés en collaboration avec de grosses influenceuses, vous vous souvenez? Voilà, le recyclage, je préfère vous dire un truc, je vais faire 4 voyages. Voici ce que Pixie m'adresse. J'espère que vous parvenez à le voir. Oui ou pas, je vous aveugle. Magnifique. D'accord. Et alors, j'ouvre. Par où ça s'ouvre? Vous allez les voir avant moi ou pas? Waouh, du down. D'accord. D'accord.
Vous voyez ou pas? C'est incroyable. Donc, la crème rose et céramide. Intensive Moisturizer. Crème hydratante intensive. D'accord? Le Glow Tonic. Pour toujours et à jamais. Le Glow Tonic, les filles. Acide glycolique sur un coton le matin. Life. Ici, j'ai la Glow Mist. Mais c'est tellement bien emballé que je n'arrive pas. Ah, la Lucha! La Glow Mist. Propolis et huile d'argan. Donc là, pour moi, c'est parfait. D'accord? Parfait. Vous savez, la sécheresse actuelle de ma peau, cette palette qui est magnifique. Pixi by Petra. J'ai pas l'impression que ce soit nécessairement une collaboration avec un influenceur. Je pense que c'est juste une de leurs palettes. Et elle a l'air absolument magnifique. Ou élocutaire. Vous avez noté un énervement, un empressement inopiné, d'accord? Calme-toi. Ah, ah, elle est craignante. Non, elle est vraiment belle. Waouh. D'accord, ça, c'est son méton, ça. Moi, j'aime ça. Enfin, les petits looks. Des tonnes de petits looks. Vous le voyez ou pas? J'aime. D'accord. Il y a de l'iridescence, hein? Il y a des choses. Ah, il y a des choses. Donc, magnifique. D'accord? Cette palette, ensuite, j'ai un crayon waterproof pour les yeux. De quelle couleur est-il? Noir ou pas? Black. Donc moi, je n'utilise pas le noir. En fait, j'utilise le noir sur les yeux, uniquement sur la paupière mobile. Et ensuite, pour servir de base, en fait, quand je fais un smoky charbonneux très foncé. Mais c'est pas nécessairement du noir que je vais mettre par-dessus, mais je mets du noir en dessous, en base, d'accord? Donc, résistant à l'eau waterproof. Hein, ah, ça a l'air pas mal, ça, hein. Sinon, dans la muqueuse, je ne mets jamais de noir. Ça durcit trop, je mets du marron. Volontiers. Et le alcaline. Alcaline dans les Glide On 24/7 d'Urban Decay. Alcaline, si vous ne l'avez jamais attrapé, attrapez-le. Il va révolutionner vos looks. Je préfère vous dire une chose. Bon, mais là, j'arrive pas à l'ouvrir, d'accord. Mais c'est le crayon noir. Ensuite, énormément de choses dans ce Matte Last Liquid Lip. Dans une teinte qui est Pleasing Pink. Ah, moi j'aime un rose. Ça fait longtemps que je porte un petit look rose. Comme ça. Ah, il est beau. Il est beau. Ça, c'est beau, ça. À tapoter comme ça sous un gloss. Corps de bouche, effet lèvres mordues, comme ça, bon gars. Et le dernier produit, c'était, je vous dis, un énorme colis. Glossy Lip Plumper, repulpant lèvres. Lip Lift Max. Vous connaissez ça ou pas? C'est un gloss. Petal Eyes. Oh! Il est beau! Il est beau. C'est ni transparent, ni rose, ni nude. Vous voyez un peu le mystère ou pas? Waouh! Mais dans une transparence, pas un opaque. Il est vraiment transparent, d'accord? D'accord. Ah là là, je suis ravie de ça. Donc voici pour cet énorme colis de chez Pixi. Merci infiniment. Thank you so much, you guys. From Pixi in the UK. Thank you so much, from France. Merci beaucoup, beaucoup. Je poursuis! Avec une box des choses. Quand vous allez voir la marque, vous allez dire, ah, c'est pas vrai. Damn, Cosarex. Un colis 100% Cosarex que j'ai la chance de recevoir de la part de YesStyle. Donc, je suis absolument ravie. J'ai un petit mot des familles. Je ne sais pas si c'est de la part de YesStyle ou si c'est directement de la part de Cosarex. Anchulika, Mr. RX. Cosarex believes that cosmetics should give more than just outward beauty. This is why our goal is to provide customized solutions for your skin concerns. So, I look into your little face and to your voice. Comment? Ah, Mr. RX. Mais qui est ce monsieur? C'est le propriétaire de la marque? Cosarex? D'accord. Et les filles, vous savez pas? Il y a des choses. Regardez le colis de carton. Be your own kind of beautiful. Je suis d'accord avec ça. Ça sert à rien de... Parce que c'est quelqu'un qui regarde mes vidéos chitchat, ça. Ça sert à rien d'essayer de tout ressembler à l'autre, là-bas. Non. Chacune a sa propre... Chacune et chacun a sa propre beauté. Et c'est ce qui fait de nous notre... des gens uniques. C'est ce qui fait notre unicité, d'accord? Enfin, bon, bref, parce que je m'éparpille. Et là, j'ai le timbal de quelque chose. D'accord. Comment? Mais dedans, il y a des choses. Où est la terre? C'est dingue, ça. Ils sont très... c'est la cosmétique asiatique. Ils sont très dans les gadgets et les... vous savez ça? Comment...
J'arrive pas à l'ouvrir. Ah! D'accord. Comment? Dedans, il y a les... Ah, vous savez, les petits doigts, là. Blackhead. Ah là là, c'est pour retirer les points noirs. Au lieu de massacrer avec des doigts pas nécessairement propres. Et des ongles longs qui vont laisser des marques, qui lesquelles marques vont à leur tour laisser des cicatrices permanentes, d'accord? D'abord, on fait le bain de vapeur, on ouvre la peau, on ouvre les pores, d'accord? Et on déloge l'accumulation de sébum, l'agglomérat séboréique. Waouh! Là, j'ai eu une fulgurance d'esprit, je sais pas ce qui s'est passé. Et bien voilà, les petits doigts pour aller retirer les points noirs, bien sûr. Bien sûr, yes. Donc le mieux, franchement, ce sont les tirs comédon, eux là. Vous les trouvez sur ma boutique, dans la rubrique beauté, tout ça. Ils sont indispensables, d'accord. Mais quand j'ai un petit hop, what else? Oh, hydrogel, very simple pack. Qu'est-ce que c'est cette crème que j'ai pas vu passer nulle part? Waouh, comment? Je ne connais pas ça. Je n'ai pas vu passer. It's an innovative daily hydrogel mask which helps provide moisture on dry area. Ça, c'est pour moi, ça. Parce que j'ai la sécheresse actuellement. D'accord. Ça va être un gel comme ça. Comment ça s'ouvre? On ne peut pas ouvrir. Je suis excitée. Ah, moi, j'en mangerai de... Vous comprenez pas quand je vous dis ça. Waouh! J'avais raison. Mais genre, le truc est... Mais est-ce que c'est pas des... est-ce que ce sont pas des lingettes individuelles? Comment ça marche? J'ai une petite... de fil en gueule. Ah, j'avais raison! Mais j'ai... Franchement, malgré la myopie et tout, parce que j'ai un troisième œil. J'ai une vue supersonique. Les filles, vous savez pas quoi? Ce sont des patchs individuels. Bon, parce que là, j'en ai pris probablement plusieurs d'un coup, non? Oui. Bon, mais j'en ai gâché, d'accord? Mais c'est pour la démonstration de la scientifique. Oh, mais comment? Ce sont des patchs. Ah, ma zette, j'en ai gâché trois, je suis pas bien. Et là, je les ai touchés avec les mains sales, donc c'est vraiment fichu. Mais vous les voyez ou pas? Les membranes. Mais quel est le mode d'emploi? Où est la feuille? J'ai jeté le carton? Oui, carton, il est là. Qu'est-ce que... Bon, déjà, je vais reboucher le produit. J'ai tout perdu. Parce que je suis tellement en état de choc avancé que je fais des bêtises. D'accord. Reprends-toi, Sabrina, tu t'éparpilles. Je suis en état de choc, les filles. Qu'est-ce que c'est que ça? Using an enclosed tweezer. Donc, il recommande d'aller chercher une pince à épiler désinfectée, stérilisée, d'accord. Put a mask on a desire, déposez un masque sur l'endroit désiré et laissez-le pour à peu près entre 10 et 30 minutes. Retirez le masque et très délicatement tapotez l'excédent de produit. Remaining essence. C'est pour les zones de sécheresse sur le visage. J'ai cette zone en particulier qui pèle, qui, quoi que je fasse, ne réagit pas, même à l'huile. Je pose mon patch et je zone. Des patchs pour les zones de sécheresse du visage, et j'ai envie de dire du visage et du corps, quelque part, parce que pourquoi pas, why not? Pourquoi pas, why not? Une innovation. Je n'ai jamais vu ça, je crie, parce que je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Depuis le temps que je vous parle de Cosarex et que je vous dis c'est une marque qui m'éclate, il m'éclate. Je suis dans l'éclatance avec eux. Donc dans un premier temps, on a eu ça. D'accord? Mais c'est tout un carton. Donc je poursuis. Oh, mais comment? Non, en réalité, dans un premier temps, on a eu les petits embouts. Les petits embouts qui ressemblent à des cocons de soie, là. Que l'on enfile au bout des doigts, d'accord? Pour retirer les points noirs. Ensuite, les patchs hydratants pour le visage. Et là maintenant, Centella Cleansing Powder. Bon, stop, n'ajoutez plus. Je vous parle de ce principe qui est très courant, pour le coup, dans la cosmétique asiatique, que l'on retrouve également chez Dermalogica, pour ce qui est des Américains, et qui sont donc ces poudres.
Et là, ce sont des capsules individuelles. Les capsules individuelles. Je suis pas bien, je suis pas bien, ça ne va plus. Donc, je prends une unité, je la décapsule. C'est de la poudre. Vous entendez ou pas? J'en gâche une. Parce que c'est pour la séance, d'accord? Hop, là, j'ai ouvert. Je fais des bêtises. Vous voyez ou pas? C'est de la poudre. Et là, elle est très, très finement moulue. J'ajoute quelques gouttes d'eau. Quelques gouttes d'eau. Et ça mousse. Et je travaille directement avec les doigts sur le visage en mouvement circulaire. Et ce sont des cleansers de folie. De folie. Je les utilise, moi, depuis des années dans des tons de marques. Les japonais, les coréens. Et donc là, c'est chez Cosarex. Donc je le remets dedans. Mais de toutes les manières, le truc est fichu. Hein, parce que là, c'est pas des conditions d'hygiène idéales. Mais la vie. Et là où ça m'éclate, c'est à la Centella. La Centella dont je vous parle incessamment là, dans mes récentes routines, parce que c'est l'un des actifs de prédilection pour lutter contre les imperfections. Les boutons, et la peau ne va pas, les funks, d'accord? Centella Asiatica, bien sûr. Et alors je poursuis. 2-in-1 Poreless Power Liquid. Bêta-hydroxyacide, BHA, to help clean the pores. Ah là là, ça target les pores. Nettoie les pores, raffermis et resserre les pores. Ah, excuse me. C'est une pompe. C'est une pompe. 2-in-1. D'accord. Cosarex. Cosarex. Donc là, je suis sur une bonne routine, je ne vais pas nécessairement l'essayer tout de suite. Ah, là, je suis bien hydratée, hein, dis-toi. Mais je vous promets de m'y atteler, ben là, je suis absolument ravie. Oh, quelle chance, quelle chance. Oh. Et alors, le dernier produit, des sheet masks. Un softening sheet, 2 clearing sheet, 3 relaxing sheet. C'est pour les points noirs sur le nez ou pas? Parce que le dessin du monsieur, on dirait que c'est sur le nez que ça se dance, non? Oui, c'est pour les boutons, les points noirs, pardon. D'accord, donc d'abord, il faut mettre la lingette numéro 1 qui va préparer la peau, d'accord? Et ensuite, la numéro 2 qui va retirer les points noirs. Et ensuite, la numéro 3 pour fermer les pores endoloris. Et... soulager la peau irritée, d'accord, consécutivement à cette extraction. Donc ce sont vraiment des patchs pour les peaux noires sur le nez. C'est super ça. Oh, ils sont max. Ça aussi c'est coréen, ouais, c'est coréen. Ah ben oui, c'est Cosarex, tout ça c'est Cosarex, c'est dingue. Hein. Incroyable. Donc merci infiniment, Cosarex / YesStyle, de tout cœur, merci. Ah, c'était une belle découverte. Je suis vraiment bien hydratée, vous voyez ou pas? Je les ai retirées il y a 5 minutes, je suis au max là, je suis bien. Donc, je poursuis. J'en arrive à la fin, les filles. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'ai tellement menti. En plus, j'ai pas trop de temps, donc je me dépêche. Et je reçois ce carton extraordinaire de la part de Zoéva. Je suis contente. Je suis trop contente. Zoéva, c'est pareil. Il me court de cadeaux. Je suis absolument ravie. C'est une marque dont je vous parle depuis très très longtemps, avant qu'elle n'arrive chez Sephora France. Il n'existait qu'une boutique online. C'était même avant qu'ils rejoignent, parce qu'en Allemagne, ils sont chez... comment ça s'appelle ça? C'est l'espèce du Sephora allemand Douglas, que le comment, les choses. Mais maintenant, on les trouve partout. Mais à l'époque, moi, j'ai commencé à vous en parler, on les trouvait nulle part. Donc, je suis absolument ravie. Et alors là, je reçois, comment vous dire? Waouh, si c'est ce que je crois que c'est, je suis pas bien. Zoéva, The Collection Coffret. Waouh. Waouh. Je reviens pas. Il y a même quelqu'un dehors qui revient pas lui-même. Il est pas bien. Non, là, c'est, je le dis à la blague, c'est intense. Il me semble que c'est un espèce de vault de leur palette. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, il suffisait de le faire glisser. On est sur un... Là encore, ce sublime... Je l'aime beaucoup, moi, ce packaging-là. De tiroir coulissant, comme ça. Donc, le tiroir du haut contient... Oh. Coco Blend, c'est probablement ma favorite chez Zoéva. Et Caramel Mélange, je pense réellement que ce sont mes favorites. Mes palettes favorites chez Zoéva.
Donc là, j'arrive pas à la retirer. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh, c'est incroyable. Donc le tiroir du haut contenait, je le disais, caramel mélange et coco blend, que vous connaissez toutes les deux. Pour la démonstration, je les déballe. J'espère que vous les connaissez. Elles existent également dans les formats voyage, les petits formats comme ça, mignons. Zoeva, qui est vraiment une marque très peu chère, et la qualité des fards, surtout le pigment, la tenue, la blendability, Donc voici Coco Blend, extraordinaire, et voici Caramel Mélange. Si vous avez, il y en a des tonnes qui sont magnifiques, il y en a une qui me fait de l'œil là, je l'ai vue, je l'ai découverte chez Sephora. Elle est très belle dans sa globalité, mais il y a une teinte que j'ai souhaitée et j'ai dit je ne reviens pas. Rien que pour cette teinte, je te jure, ça vaut le coup de l'avoir. Et donc, caramel mélange. Si vous avez ces deux-là, vous êtes... Je pense qu'il n'y a pas de look que vous ne pouvez pas faire. Il ne vous manque pas de teinte. La beauté de caramel mélange. D'accord, donc petit rappel, vous les connaissez probablement déjà, mais petit rappel. Ça, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Est-ce qu'elles coûtent 20 euros? Bon, au départ, elles étaient à 17 euros, me semble-t-il. Elles ont un petit peu margé, elles ont un petit peu augmenté. Mais elles sont toujours aussi abordables. Le discount est applicable, c'est magnifique. Et donc là, j'en ai deux autres. Donc, café. Je suis absolument ravie. Et Blank Fusion. Donc, moi, j'ai de la chance. Ce sont des palettes que je possède déjà. Donc, je vais probablement les offrir, celles-ci. Mais alors, où est mon... Parce que je mets du petit bazar. C'est un très beau coffret. Si vous souhaitez vous initier, vous... à Zoeva, ou si vous souhaitez faire un beau cadeau, je présume que le coffret est disponible à la vente. Magnifique, leurs pinceaux sont excellents, tout est magnifique chez Zoeva. Waouh, Blank Fusion, dont je vous ai également parlé pour cette teinte extraordinaire là, d'accord. Et la dernière, c'était donc Café, qui est magnifique, qui est magnifique, magnifique. Café, yes please. D'accord. Donc, merci infiniment à Zoeva pour ce Vault magnifique coffret, collection coffret de chez, des palettes de fards à paupières chez Zoeva. Merci beaucoup. Je suis absolument ravie. Donc, je poursuis. Et alors, les filles, là, je vais plus vite parce que je vous jure que j'ai pas vraiment le temps. Toujours chez Look Fantastic. Regardez la beauté de ce coffret. Extraordinaire. Donc, je m'empresse de le sortir de son carton. Voici ce dont il est question. Oh, incroyable mais vrai. Comment? Comment? Alors, j'ouvre pas. Comment? D'accord. Comment? Oh, c'est dingue. It's crazy. Vous avez vu ou pas? Ces portes chinoises. Waouh. Ah, mais est-ce que c'est pas comme un calendrier de l'Avent? C'est incroyable. Ça, je l'ai ouvert à l'envers. Là, il y a le calendrier de l'année 2020. Et là, il y a le New Year Resolution. Vous voyez ou pas? Et y a, comment? Non, c'est pas un calendrier de l'Avent. Il y en a 7. Cette case, oh, on les ouvre ensemble. Case numéro 1. Je vais le faire à partir de mes genoux, mais le cœur y est. D'accord. Erno Laszlo, New York. Hydratherapy Memory Sleep Mask. Masque hydratant de nuit. J'ai déjà vu passer la marque, mais je ne connais pas ce produit. La boîte numéro 2, Ilamasca. Intimator Lipstick chez Ilamasca. Qui est un rouge magnifique. Oh, Ilamasca que j'adore. Là encore, dont on ne parle pas suffisamment, je ne comprends pas pourquoi. Le packaging d'Eral est sublime. Et pff, ça, c'est le rouge par excellence. Waouh. C'est le rouge sexy, charmeuse, séduction. D'accord. Ensuite, numéro 3. J'essaie d'aller plus vite. Philippe Kingsley. Bon, les produits capillaires Kingsley, tout le monde les connaît, sont magnifiques. Elasticizer Extreme. Je connais l'Elasticizer, mais pas le Extreme. Soins riches et revitalisants en profondeur. Parce que tu vas voir qu'on en a besoin. Ensuite, le numéro 4. Oh, il y a des produits Chantecaille. Je reviens pas. Crème anti-pollution et essence anti-pollution chez Chantecaille, que j'aime infiniment, qui est une marque. Clé de peau et Chantecaille, ce sont des marques que j'aime par-dessus tout, dont je ne vous parle pas beaucoup. J'achète pas beaucoup de choses chez eux, c'est cher. Mais j'adore. Tout ce que j'ai de chez eux, j'adore. J'adore. Et les Miss Pro Collagen Advanced Eye Treatment, sérum anti-rides pour les yeux, et les Miss, dont je vous parle là pour le coup depuis très longtemps, que j'aime infiniment. Mon rêve, la prochaine fois que je vais à Londres, bon, pas nécessairement la prochaine fois, parce que la prochaine fois c'était, bah déjà c'était la dernière fois, c'était la semaine dernière, vous m'avez vu, hein, je vous ai fait un petit post, mais la prochaine fois que je vais à Londres en ayant du temps
Je me suis fait la promesse d'aller m'octroyer un soin à l'Institut Elimis, parce qu'un de leurs instituts à Londres, là, c'est la folie. Je me suis fait la promesse de m'accorder ça pour 2020. Voici le sérum anti-âge pour les yeux. Life. Numéro 6. Ah, c'est tout. Ah, j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber, mais c'est pareil, c'est un produit que je connais. Le Pillow Spray de This Works, que j'aime infiniment. Et là, c'est le Sleep Plus. Donc à la lavande, on pchit la thé d'oreiller avant d'aller se coucher, et je vous assure que ça marche. Deux ou trois pchits de ça avec l'application Calm, vous savez Calm, où c'est Matthew McConaughey qui raconte une histoire, et je m'endors. Franchement, je préfère dire une chose, c'est réel, c'est la vraie vie. Chez Dr Botanicals, une huile visage à l'huile du Maroc, extraordinaire. Et la dernière case. Je suis un petit peu triste de le faire très rapidement, mais c'est parce que vraiment là, au niveau du temps, je n'ai pas le choix. Et mardi, est-ce que c'est lui? Oui, le Moringa Cleansing Balm. Les plus fidèles savent que c'est un des meilleurs baumes démaquillants au monde. C'est mon préféré dans l'univers du monde de la galaxie, de tout de l'univers. Le Moringa Cleansing Balm de chez Mardi, et j'ai également une protection SPF de la même marque, Mardi, que j'aime infiniment. Merci infiniment, Look Fantastic. Ornella, c'est également à toi que je le dois. Merci infiniment. Merci de tout cœur. What with the Chinese theme? C'est pas le nouvel an chinois, si j'ai loupé quelque chose. Bref. De tout cœur, merci. Je poursuis avec la grosse boîte Look Fantastic dont je vous parlais. Et là, je suis moi à l'origine de cette sélection. Et je commence tout de go avec quelque chose de très logique. Moi, elle m'a donné carte blanche. Elle m'a dit, tu prends ce que tu veux. Et bien, je suis allée sur quoi? Tadam! Chez Philips, dans la gamme Sonicare. Et l'hydro-G. Donc, comment on l'appelle? Airfloss Pro. Waouh! C'est-à-dire que c'est le système du fil dentaire, mais là, c'est un jet d'eau. D'accord? Et j'en rêvais. J'en ai déjà un, mais qui n'est pas très performant, qui n'était pas très cher, d'accord? Je vous l'avais déjà présenté, toujours de chez Philips, oui. Qui est très bon, mais lui, c'est vraiment l'alter ego, l'équivalent de ma brosse à dents Sonicare. Et donc là, je suis au max. Ça va vous dire une chose. Là, je suis au max. Oh là là, je suis heureuse. Moi, je suis heureuse. Vous avez vu, elle m'a laissé carte blanche, j'ai pris ça. Parce que je suis une déglingosse des dents, vous le savez. Ah, il est beau. Bon, là, je le déballe pas complètement, mais je suis au max. Je suis ravie. Oh, je suis ravie. Où est le truc? Oh, je suis ravie. Oh là là. Ça, ça respire le sérieux et la qualité. Enfin, vous voyez. Et la performance. D'accord? Donc, ça va être formidable. Je vais mettre la tête, là, le G, et je suis au max. Avec la réserve d'eau, le réservoir d'eau, le chargeur, les choses. Philips, merci infiniment. Je poursuis. Je ne reviens pas. Ben, on parlait d'eux à l'instant. Chantecaille, qui est une marque donc distribuée chez Look Fantastic. Je suis tombée folle amoureuse de ce produit à Vegas l'été dernier. Je me suis dit, bon, je vais quand même essayer d'attraper un discount une fois rentrée. Et j'ai laissé tomber. Il est question de ce bronzer extraordinaire qui s'appelle Real Bronze. Bronze absolu. Et la tête, c'est Goa. Donc, elle fait peur au début quand on la voit, mais swatchée, elle est sublime. Vous voyez la beauté ou pas? Je vais plus vite. Magnifique. Ensuite. Ah, chez Institut Estéderme. Donc, vous savez que le sérum que j'utilisais jusqu'alors n'existe plus. Ils l'ont discontinué pour une raison que j'ignore. Mais tout porte à croire que c'est lui son remplaçant. Vous savez que je vous parle de ce sérum depuis ma toute première vidéo Dermaroller, il y a des années, il y a quasiment 5 ans. Et alors j'en avais très envie. Derm Repair, sérum restructurant, je pense vraiment que c'est lui qui remplace le sérum Eve chez Institut Estéderm Paris. Donc j'ai profité de l'occasion, très honnêtement, je suis absolument ravie. J'ai demandé un liquid gold. Donc vous voyez, tout à l'heure je ne l'ai pas eu dans le colis. Ben là je l'ai dans celui-ci, je suis ravie. Ah là 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 là. C'est le sérum de nuit, c'est encore mieux. Ah ben c'est le sérum de nuit, parce que j'allais dire, mais je vais jamais terminer mes backups. C'est le sérum de nuit, ben là j'ai la gamme entière. Et alors le dernier produit du colis, c'est lui, Bobbi Brown. Et alors ce produit, vous le connaissez forcément, si ça n'est pas le cas, je suis absolument ravie de vous l'introduire, de vous le présenter. Ensemble avec la crème à la grenade de chez Corès, ce sont là les deux meilleures bases sous le maquillage qui soient au monde. Franchement, franchement. Chez Bobbi Brown, la Vitamin Enrich Face Base, base de maquillage vitaminée. Et ce produit, c'est la vie.
Malheureusement, il est un petit peu cher, d'accord? C'est ce qui fait que je l'achète rarement. Mais je l'aime infiniment. Ben là, je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie. Merci de tout cœur. On est là, je te remercie infiniment. Donc, je ne pourrai pas tout vous partager. Il y a un très très beau partage. Hervé, je te retrouve en stories. Il y a un très très beau partage que je vous réserve donc pour mon Instagram. Mais là, très rapidement, ce que j'ai acheté moi et que je vais malheureusement devoir envoyer. Je me suis offert une paire de Zizi chez Repetto. Elles sont absolument sublimes. Donc voici ce à quoi ça ressemble pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Elles sont absolument sublimes. Ce sont des Zizi mais pointues. Des Zizi donc rendues célèbres par Gainsbourg, Serge Gainsbourg. Voici la chaussure. Elle est absolument sublime. Pointue, vernis, Grenat Burgundy Bordeaux Bogos, assortie à tout j'adore. Mais elle est trop petite. C'est du 39. Et je savais. J'ai possédé moi des ballerines chez Repetto, même la semelle extérieure est extraordinaire, veloutée. Je savais hein, qu'il fallait prendre du 39,5, mais c'était une vente privée. Il n'y avait plus ma pointure 39,5, mais il y avait 39. J'ai dit je vais tenter, et elles sont vraiment trop petites. Donc je vais les renvoyer, je suis déçue. En plus je les ai payées vraiment très peu cher. En fait, pas cher, parce que c'était plus de 100 euros, mais beaucoup moins que ce qu'elles valent chez Repetto, d'accord. Donc je suis triste, je suis franchement triste, mais je les renvoie. Donc voilà, je voulais vous les partager très rapidement. Et le dernier partage de cette vidéo sera en mode Fast and Furious, quelque part. Je vous avais parlé de mes chaussons Sorel dans ma vidéo, dans cette vidéo-là, mon December Fashion, je ne les avais pas encore reçus. Je vous avais présenté les chaussons UGG et les chaussons micro-ondables, vous les avez aimés. Voici les chaussons Sorel. Je voulais vraiment vous les partager. Je les ai enfin reçus. Donc là, je suis parée, là, je suis au max. Donc voici pour cette vidéo, unboxing, PR et quelques craquages de moi-même. Je termine avec un coup de gueule. Est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai le temps. Un coup de gueule, vous le savez, ils sont très rares sur ma chaîne ou dans mes partages sur toutes les plateformes. Mais là, j'ai dit, il faut quand même que je prévienne les Sistases. Donc, vous connaissez toutes et tous Tati. Tati, c'est son prénom, qui est cette énorme youtubeuse américaine extrêmement douée, qui est une bosseuse, qui jusque très récemment publiait une vidéo tous les jours. What? Donc, elle est extrêmement professionnelle, elle a un avis vraiment objectif sur ce qu'elle fait, sur la quasi-totalité de ce qu'elle fait, etc. Et plus récemment, elle a créé une gamme de compléments alimentaires. Et enfin, elle est arrivée récemment avec une gamme de make-up. Elle commence avec une palette. Donc, je l'ai commandée dès qu'elle est arrivée disponible à la vente. Je l'ai achetée tout de suite lorsqu'elle était disponible. Donc, c'était des mois. Il y a des mois en arrière, d'accord. Il n'était pas trop tard, parce que ceux qui sont arrivés trop tard ont été mis sur liste d'attente, il a fallu attendre que la production reprenne, etc. D'accord ? Non, moi je l'ai eu dès le départ. Elle a mis plus de 3 mois à me parvenir, ma palette. Je viens simplement de la recevoir, là, il y a quelques jours. Donc il a fallu pour la recevoir, j'ai payé par PayPal, il a fallu que je fasse un litige PayPal. J'ai dit ok, parce que j'ai envoyé des mails à la marque déjà. Soit ils ne répondaient pas, soit répondaient, mais une fois que je l'ai relancé 4 ou 5 fois, pour me dire oui, oui, votre colis est parti. Donnez-moi un numéro de tracking. Il me donne un numéro de tracking. Le numéro de tracking n'existe pas, il ne correspond à rien. Donc j'ai dit, ok, je laisse tomber, je la recevrai jamais. Je veux récupérer mes 50 et quelques dollars. J'ai fait un litige PayPal et c'est simplement lorsque j'ai fait un litige PayPal qu'ils m'ont adressé un numéro de tracking et j'ai pu suivre la palette. Elle me parvient. Est-ce que j'ai fait tomber le... Non. Elle me parvient avec ceci. Donc je tâche de cacher les informations. Mais ceci est un avis de paiement des 30 euros de frais de douane, desquels il a fallu que je m'acquitte. Donc, j'ai attendu quasiment... J'ai payé plus de 50 dollars pour la palette. Moi, 50 dollars, j'achète du Visea. 50 dollars pour la palette, 30 euros de frais de douane. Ça a pris 3 mois. Donc, autant vous dire que j'ai un goût amer dans la bouche en ouvrant ce colis. Elle a intérêt d'être très néant. J'ai l'impression qu'elle est belle. Et j'ai l'impression que les fards sont de qualité également. Je ne suis pas profondément mauvaise et malhonnête, d'accord. Voici l'intérieur de la boîte. Tati, qui voit la lumière. Et alors voici. Beautiful is your story to tell. Exo Tati. Voilà. Donc le carton. Ah, en tous les cas, elle est bien protégée. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un bon point. Et voici la palette.
pense que vous êtes nombreuses à l'avoir déjà acheté, parce que nombre d'entre vous m'ont dit, bah alors Sabrina, la palette de Tati, je dis, ouais, mais malheureusement. Voici l'emballage, j'adore, c'est sleek, c'est presque velouté, c'est très bizarre, très beau. Ça me rappelle beaucoup le fini des palettes Lorac, pour celles qui ont la chance de les posséder. Bon, ben ça, je déchire, hein, quelque part. Elle est de belle taille, je la voyais plus petite, je sais pas pourquoi. Ouais, non, elle, ouais. Elle est belle. Elle est très belle. Oh, elle est crémée. Et c'est même pas des irisés, là, c'est des scintillances, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des choses, des petits looks. Ah, celle-ci. Ouais, non, elle est belle. Donc, je suis pas absolument certaine qu'il n'y ait pas de fallout, pour le coup. Ouais, donc, il va y avoir du fallout. Mais les fards sont magnifiques. Et alors, les mats, n'en parlons pas. Donc, il y a du mat, de l'irisé, du satiné et du glittery, clairement glittery. Donc, il y a tous les finis, en fait. Hein. Elle est très belle. Elle est très, très belle. Très, très belle. Donc, ça me réconforte un peu, mais honnêtement... J'ai trouvé la personne avec laquelle j'ai échangé, le service client, très peu courtoise. Donc, you guys in America, you need to step up your game. Au niveau de la courtoisie, de l'élégance et du respect de la clientèle. D'accord? Donc, c'était mon coup de gueule. Ah, ça va mieux, je me sens plus légère. Les filles, à la hâte, je vous embrasse toutes et tous très très fort. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je le disais, il n'y en aura pas énormément. Mais il y en aura quelques-unes comme des soupapes pour me permettre, je le disais, de vous partager des festivités extraordinaires, culinaires notamment, et fashionesques, un petit look dans le miroir, en Insta Story. Donc, je le disais, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous embrasse très très fort, une nouvelle fois. Et je vous dis à très très vite. Bye!